Bon, alors pour tout dire, le niveau de stress est là. Il pleut comme vache qui pisse, passez-moi l'expression. On part dans 2 jours. C'est pas le moment normalement pour filmer, sauf que ça me déstresse. Donc on va pas vivre. Bonjour, ceci est mon... Comment je peux présenter en fait un livre qui traîne, c'est mes lectures, mon point, ouais, les lectures que j'ai faites pendant le mois, donc le mois de juin, on est le 30, soyons clairs, je ne lirai pas, je ne finirai pas de livre d'ici ce soir, surtout que j'ai d'autres choses à faire. Au mois de juin, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres. 5 en français, 5 en anglais. On peut pas faire mieux. Au début de l'année, je m'étais dit, ce qui serait bien, c'est que je lise au moins, dans l'année, 40 livres en français et 12 livres en anglais. Là, donc, on est juin, donc on a fait la moitié de l'année. J'ai lu 40 livres en anglais et 39 livres en français. Donc je pense que voilà, peut mettre l'année prochaine, je pourrais augmenter les nombres de livres lus. Les livres en français ont été lus sur Liseuse et il me manque le premier livre que j'ai lu en anglais puisqu'il est déjà dans le conteneur depuis 3 semaines et le conteneur est sur l'océan Atlantique depuis hier. Voilà. Ce livre, c'est The Bookish Life of Nina Hill d'Abby Waxman. Il a été traduit en français, mais je ne me rappelle plus du tout du titre. Je vous le mettrai, si ce n'est pas là, en tout cas dans les commentaires. Enfin, dans les commentaires, dans la barre d'infos. On suit une jeune femme, un peu moins de 30, pas, enfin 20, la vingtaine, pas encore 30. Fille unique, libraire, introvertie mais qui a quand même qui a des amis, qui a un cercle, une vie sociale quand même remplie, mais voilà, qui préfère toujours lire un livre que faire quelque chose d'impromptu. Et puis, elle se découvre une famille puisque le père qu'elle n'a jamais connu vient de mourir. Son père a eu 3 épouses, donc en fait elle se retrouve avec des neveux, des nièces, des oncles, enfin voilà, elle se retrouve vraiment avec toute une famille qui apprécie plus ou moins de la découvrir. Et puis en plus elle commence un peu, elle a des intérêts envers un jeune homme. En fait, l'histoire était sympa. L'histoire de base était plutôt sympa. J'ai eu du mal avec l'écriture. C'était un peu verbeux. Et en fait, j'ai eu un peu l'impression que l'autrice, je crois que c'est une autrice, Céleste, non. Désolée, le chat essaye de faire ses griffes à un endroit, il n'a pas du tout le droit. Donc oui, l'autrice dit à plusieurs fois, présente plusieurs fois Nina comme une milléniale. Et j'ai un peu l'impression qu'elle a essayé d'expliquer à des personnes qui n'étaient pas milléniales ce que c'est que d'être. Et a expliqué par écrit des mèmes, pas expliqué. Enfin, et en fait, ça sonnait assez faux. On est dans un quartier relativement chic de Los Angeles, mais c'est plein de clichés. Enfin, ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu plein de clichés de, c'est un peu plein de clichés des milieux. Et ouais, l'histoire était plutôt sympathique.
mais j'ai pas vraiment aimé l'écriture. Je sais pas ce que ça peut donner traduit, mais je sais que ouais, non, c'était bien, mais sans plus. J'ai ensuite lu en français, cette fois, un livre qui m'avait été conseillé par les deux autres expats de là où j'habite, La cathédrale de la mer. Alors, bien sûr, j'ai mal marqué, j'ai pas marqué le nom en entier, mais c'est Ildefonso de Sierra. Et on est dans une fresque historique. Ça se passe au Moyen-Âge, en Espagne. On y suit un jeune homme qui va se marier, un jeune paysan qui va se marier. Et sauf que le jour de ses noces, le seigneur vient réclamer le droit de cuissage sur sa femme. Voilà. Vient non seulement réclamer le droit de cuissage sur sa femme, mais en plus oblige le marié à consommer le mariage juste après pour être sûr que si naissance il y a, 9 mois après, on puisse pas dire c'est obligatoirement le seigneur. Et en effet, 9 mois après, un enfant naît, sauf qu'il a la marque, une marque un peu distinctive de son père, à savoir un grain de beauté près d'un œil. Et puis de là, il va se passer plein de choses. Parce qu'en fait, ce ne sont pas seulement paysans, ce sont des serfs. Le père et le fils vont quitter cette campagne pour aller se réfugier à Barcelone, qui avait un statut un peu particulier. Quand, en tant que serf, vous y alliez à ce moment-là et que vous y restez un an et un jour, vous étiez à ce moment-là automatiquement libre. Sinon, si vous vouliez être libre, il fallait payer quelque chose au seigneur. Et voilà. Et le père et le fils vont faire leur vie à Barcelone, avec des hauts et des bas. C'est vraiment une fresque non seulement historique, mais aussi sociale. J'ai beaucoup aimé, j'avais du mal à le poser. Je l'ai lu quand nos affaires ont été emballées. Il fallait que je vienne et puis sans trop rester. Enfin bon, c'était extrêmement stressant. Et ce livre m'a vraiment permis de m'évader. Et alors ce qui est assez amusant avec ce livre, c'est qu'il y a plein de fois où je me suis dit, mais là il aurait pu prendre une autre décision. Et ça aurait totalement changé l'histoire. Mais pas qu'une seule fois, je me le suis dit, mais plein de fois. Parfois j'ai trouvé un peu trop. Il y avait peut-être un peu trop de choses. Mais même si c'était un peu trop, même si parfois c'était un peu gros, c'est pas grave, j'ai vraiment, vraiment pris plaisir à lire ce livre. En fait, on est dans l'Espagne. Avant la Reconquista, avant que Isabelle d'Aragon, Isabelle de Castille, avant que Isabelle et Pierre d'Aragon et de Castille, je ne sais plus honnêtement, conquièrent toute l'Espagne face aux musulmans. Et avant que Christophe Colomb parte, donc c'est vraiment la fin du Moyen-Âge. Et c'était super intéressant. C'était vraiment, vraiment intéressant. On aime bien, enfin moi j'ai toujours aimé les romans historiques. C'est vrai qu'en été encore plus, et là je trouve que c'est vraiment un roman d'été. C'était vraiment un roman d'été. Je suis ensuite partie sur un livre un peu plus léger, Même les méchants rêvent d'amour, d'Angèle Huon. Et ben là, par contre, ça a été une déception. Je m'attendais à rien. Clairement, je l'ai pris, je m'attendais à rien. On suit une jeune femme qui va descendre dans le sud parce que sa grand-mère est hospitalisée, elle a Alzheimer et voilà. Sa grand-mère a écrit dans un carnet ses souvenirs de jeunesse, avec bien sûr un secret de famille. Et donc on voit les deux époques, la jeune femme qui vient de Paris, qui va pas... Enfin, ouais, vous voyez le truc. Honnêtement, moi ce livre comme ça, en général je les apprécie. Là le problème, c'est qu'il y avait vraiment trop de sujets qui étaient abordés. Il y avait
j'ai envie de dire, il n'y avait pas un seul, il n'y avait quasiment pas un seul secret de famille, il y en avait plusieurs. Et en fait, tous ne sont pas, pour moi, tous ne sont pas résolus. Il y en a un, tu te dis, mais non, c'est juste pas possible. Enfin voilà, j'ai pas aimé, il y avait beaucoup trop de sujets à aborder. Il y avait matière de faire au moins 2 ou 3 livres, rien qu'avec les secrets de famille. Donc, ouais, ça n'a pas été... La plume était sympa, mais il y avait beaucoup, beaucoup trop de sujets abordés. J'ai ensuite lu, toujours un roman historique, Les Simples de Yannick Granec. On est dans le sud de la France, à la fin des guerres de religion. Elles ne sont pas totalement finies, mais on a encore pour seulement pour quelques années, j'ai envie de dire. Et on est au couvent des Louventines, où on va suivre plus particulièrement la sœur Clémence, qui est la doyenne des sœurs, et surtout qui est une herboriste assez reconnue. Ce couvent a une certaine autonomie grâce, entre autres, à cette sœur-là qui fait des élixirs vendus, voilà, qui ont beaucoup de succès. Sauf que l'évêque voudrait récupérer un peu ce couvent parce que, alors en fait, à l'époque, les abbés et abbesses étaient nommés par le roi et ou les évêques. Enfin, je sais qu'ils en parlent, mais c'est pas clair. Pour moi, c'était seulement le roi, mais voilà. Et en fait, le roi donnait quelque part le titre d'abbé ou d'abbesse aux personnes qui voulaient remercier, parfois même à des personnes qui n'étaient pas, religieuses, parce que en fait, c'était eux qui récupéraient les sous. Si en plus, là on comprend que c'est l'évêque qui aurait le droit de nommer, donc ça permettait de placer là des personnes qui seraient reconnaissantes, etc. Or, ce couvent n'est pas soumis à ça, c'est les sœurs qui vont élire leur propre abbesse, comme c'était le cas normalement au début. Et donc l'évêque commence à vouloir récupérer la mainmise sur ce couvent. Et ce qui fait que ça va entraîner plein de choses. C'est entre voilà, la religion et la sorcellerie, c'est entre la nature et la politique. Il y a de très belles... Il y a des belles descriptions de la nature, des plantes, de la nature humaine aussi, pas toujours joyeuse. J'ai vraiment apprécié le lien. C'est pas mon coup de cœur de juin, c'est pas... Je dirais, est-ce qu'il arrive en troisième position? Ouais, carrément, il arrive en troisième position. C'est pas la meilleure lecture du mois de juin, mais c'en est une très très bonne. J'ai ensuite lu en anglais Breakfast at Tiffany's dans le cadre de L'Empoche Classique, puisque c'était le, je vais pas dire le livre, mais plutôt la nouvelle qu'on devait lire au mois de juin. Breakfast at Tiffany's, c'est la nouvelle qui a donné le film Diamant sur canapé. Je n'ai pas vu le film, je n'avais jamais lu le livre et j'ai pas vraiment aimé. Je n'ai pas vraiment aimé cette histoire, je n'ai pas réussi en fait à me... Comment dire ? À m'intéresser, je vais dire identifier mais c'est pas ça, à m'intéresser au personnage. On suit Holly qui est... d'autres mots, c'est une semi-mondaine à New York pendant la Deuxième Guerre mondiale. On la suit à travers les yeux de son voisin qui devient son ami. Et voilà, j'ai eu du mal, alors pas spécialement avec l'écriture, mais en fait, comme c'est une nouvelle, il n'y a absolument pas de chapitre. J'ai lu des nouvelles parfois avec des chapitres, là il n'y en a pas du tout. Donc j'ai quasiment eu l'impression de devoir lire ce livre sans respirer. Mais ça donnait plus de la mise en page. Enfin, pas de la mise en page, mais de l'écriture, bien plus que de l'histoire en elle-même. Et ouais, l'histoire...
J'ai pas accroché. Honnêtement, ça m'a pas donné envie de lire, de regarder le film. Ça m'a pas donné non plus spécialement envie de lire d'autres livres de Truman Capote. Il y a deux ou trois nouvelles avec dans ce petit livret. Et voilà, c'est bien écrit, mais j'ai pas spécialement envie d'aller plus loin. J'ai ensuite lu le livre que je peux qualifier de vraiment de coup de cœur de ce mois. C'est Toute la lumière que nous ne pouvons voir. J'ai pas mis le nom en entier parce que j'avais pas la place. C'est D'Anthony Doerr. Alors c'est D-O-E-2-R. Ah, ce livre, j'ai adoré. La construction est très particulière. On va suivre deux jeunes gens. Une jeune fille aveugle et un jeune soldat allemand qui est radio, mais on va dire ingénieur radio. On les suit, alors au début on va les suivre, on les découvre à Saint-Malo en juillet ou août 44, je ne me rappelle plus du tout, quand Saint-Malo va être bombardé et libéré par les Alliés. La jeune fille est seule, on apprend très rapidement que son oncle a été pris en otage par les Allemands. Le jeune soldat allemand est piégé sous des décombres, dans une cave sous des décombres suite à une bombe qui est tombée sur l'hôtel où il était. Et voilà, ça c'est les premières pages. Et après, on va revenir en arrière et les retrouver à l'âge de quoi, 7-8 ans. Elle vit à Paris avec son père. Sa mère est morte à sa naissance, donc elle vit seulement avec son père qui est serrurier du... C'est pas le jardin des plantes, mais c'est le musée qui est juste... Pour moi, c'est le musée qui est juste à côté. Musée d'histoire naturelle. Et on la voit au début, juste au moment où elle va devenir aveugle. Avec son père qui se débrouille comme il peut et qui va essayer de lui apprendre une certaine autonomie. Donc ça, c'est pour la jeune fille. Et je ne me rappelle plus du tout les noms, c'est une horreur. Et le jeune Allemand, lui, est dans un orphelinat avec sa sœur. On connaît rien du tout sur leurs parents. Et donc dans l'Allemagne des années, fin des années 20, début des années 30. Et on va les voir grandir pendant quelques années. Et à ce moment-là, on va revenir à Saint-Malo, en 44. Puis on va retourner de nouveau dans le passé. Et puis voilà, on va faire des allers-retours. Les chapitres, en fait, vous avez des chapitres très très courts de quelques pages sur un personnage, et puis après vous en avoir un, vous allez revenir sur l'autre, puis encore, voilà, vous allez vraiment avoir du balancier à une certaine époque, et après vous allez passer à une autre époque, etc. Quand on découvre pour la première fois cette jeune fille, avant qu'elle devienne aveugle, elle est en train de visiter le musée. On travaille son père et on va parler d'un diamant maudit, sauf s'il reste 200 ans caché, et ça fait quasiment 200 ans que le musée a ce diamant, mais il est caché, personne ne le voit, et donc s'il le sort seulement au bout de 200 ans, la malédiction sera levée. Et c'est un superbe diamant bleu avec des flammes rouges à l'intérieur. Et au moment de la débâcle en mai 40, trois copies de ce diamant vont être faites. Une va rester, alors une des pierres, on ne sait pas laquelle, personne ne sait laquelle, va rester dans le musée, et les trois autres vont être données à des personnes de confiance pour qu'ils les emmènent dans leur exode. Et entre autres le père de, je crois que c'est Anne-Marie, mais je n'en suis pas sûre, ça va pas du tout.
va avoir une de ses pierres. Et donc, on va suivre une... comment ça s'appelle ? Marie-Laure. Voilà. Donc, Marie-Laure, le père de Marie-Laure va en avoir un. Et on suit un officier allemand qui est chargé de retrouver des pierres précieuses, des œuvres d'art, etc. pour le Reich. Et il est entre autres chargé, il veut retrouver ce diamant. Et donc on va le voir en 44 aussi, il va apparaître à essayer de le chercher. C'est un livre, enfin, le, comment dire, qui va très rapidement, parce que vous avez énormément, les petits chapitres, c'est 2-3, puis vous passez à quelques autres, donc vous avez l'impression d'avancer tout le temps. Et puis je me rappelle qu'à un moment je regardais, j'avais l'impression d'avoir lu pendant des heures, je me disais bon bah c'est bientôt fini, oh j'en suis qu'à 15%, c'est génial. C'était mais ouais, c'était bon, déjà il y avait ça qui m'a plu, l'histoire était bien. Je vous avoue qu'après l'avoir lu, j'ai envie de lire ces messieurs de Saint-Malo juste pour retrouver la ville. J'ai beaucoup aimé ce livre qui m'avait été conseillé par une amie, et c'est vraiment mon livre coup de cœur du mois de juin. J'ai ensuite lu en français et non pas en anglais Le cœur battant de nos mères de Brit Bennett. Je dis en français non pas en anglais parce que c'est un livre américain. Comment vous l'expliquer ? On est dans une communauté noire américaine en Californie, et on va suivre la jeune Nadia qui vient de perdre sa mère à 17 ans, sa mère vient de se suicider, et Nadia commence une relation avec le fils du pasteur. Elle va tomber enceinte à l'âge où sa mère est tombée enceinte d'elle, sauf que Nadia décide d'avorter. Voilà, elle avorte, et ça c'est grosso modo le premier chapitre. Elle avorte, elle peut aller faire des études. Et ça c'est juste le premier chapitre, et on va voir après les retombées sur sa relation à elle avec sa meilleure amie, avec le fils du pasteur, avec son père, avec les petits amis qu'elle aura après, avec j'arrive pas à, en fait j'ai du mal à raconter l'histoire sans trop en dire. Le cœur battant de nos mères, en fait, c'est un petit groupe de femmes âgées de la paroisse. Et en fait, à chaque fois, chaque chapitre va commencer par quelques mots de ses mères qui dit oui, elle nous aurait demandé, on l'aurait prévenu contre les garçons, etc. C'est des mères, j'ai presque envie de dire, c'est les mères de personne et c'est les mères de tout le monde. C'était très sympa. C'était très sympa à lire. C'est très compliqué à... comment ça s'appelle ? Très compliqué à expliquer. Je sais que Brit Bennett a écrit un autre livre, Alpha Vanishing, je crois. Je pense que je lis. Enfin, c'est pas je pense, je le lirai, mais une fois en France. Je vais pas l'acheter ici. De toute façon, il y a 2 jours avant le départ, on n'achète plus de livres. Mais je voudrais l'acheter en livre de poche. Donc j'attendrai un peu. J'ai ensuite donné sa chance au troisième, Joanna Fluck. Blueberry Muffin Murder. Je vous avais dit au mois de mai, j'avais lu les deux premiers, et ce qui avait posé souci au deuxième, c'est que, la recette de l'histoire, le scénario de l'histoire était exactement la même, et c'est le troisième, et ça ne bouge pas, c'est toujours la même chose, il y a un meurtre, tatati, on se demande qui ça va être, non c'est pas lui, non c'est pas lui, non c'est pas elle, tatati, tatata, il y a un autre meurtre et qui va permettre d'avancer un peu, et puis on arrive sur la découverte du meurtrier totalement par hasard.
Voilà. Alors, la découverte du meurtrier totalement par hasard, moi je l'ai eu. Je l'ai eu très tôt. Pour une simple et bonne raison. C'est toujours le problème quand vous avez une. Quand vous avez des romans policiers comme ça, des cosy mystérieux qui se passent dans un. Comment dire dans un lieu qui est toujours le même et pas très grand, que ce soit un quartier ou un petit village, une petite ville, on va être sympa, et ben au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir tuer tous vos personnages. Où vous n'avez pas pouvoir les tous les personnages peuvent pas être de meurtrier, donc en fait quand on commence à avoir des nouveaux personnages au début, rapidement vous dites alors il va avoir ou elle va avoir un rôle essentiel dans l'histoire et ça loupe. Bon, j'ai les tomes 4, 5, 6 dans le container, je les lirai, mais là à part un miracle dans ces trois là avec un scénario qui change, je lirai pas après quoi. C'est même sans les lire les uns à la suite, sans les lire à la suite, voilà, j'aurais tellement ce oui ça va se passer comme ça que je n'y prendrai aucun plaisir en fait. Mais après il y a toujours les recettes qui sont intéressantes. Voilà. Donc j'ai ensuite lu Eleanor, Oliphant is Completely Fine de Gail Honeyman. C'est un livre qui est paru en 2017. Je sais que ce livre, j'ai pas mal tourné autour. Plusieurs fois, je me suis dit, tiens, est-ce que je le prendrai? Il a l'air pas mal. Oui, bon, non, finalement, bof. Et je l'ai acheté lors de ma dernière virée à Barnes & Noble. En même temps que The Bookish Life of Nina Hill ou Year of Rest and Relaxation. Et voilà, quand j'ai lu la quatrième de couverture, il m'a fait penser quand même à Nina Hill. C'était un peu le même sujet, c'est-à-dire qu'on a des jeunes femmes qui ont l'air relativement solitaires et qui vont découvrir, qui vont survivre à les autres. Mais alors autant, dans Nina Hill, elle avait quand même... voilà, et c'était une introvertie dans le sens où elle se reposait vraiment, elle se ressourçait en étant seule, mais tout en ayant une vie sociale. Autant pour Eleanor, ce n'est absolument pas le cas. Eleanor, en fait, c'est quelqu'un qui est très seul. Et non seulement qui est très seul, mais qui n'a aucune habileté sociale. Elle dit ce qu'elle pense. Et je sais que ça m'a posé problème pour le lire. Alors, voilà, au début, alors ça veut dire qu'il y en a beaucoup, mais voilà. Reese Witherspoon a lu ce livre, a dit très bien écrit et incroyablement drôle. Bah, moi, j'ai eu du mal avec le côté drôle. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai lu le premier chapitre où on voit une journée... une journée semaine banale, normale d'Eleanor. Elle travaille du lundi au vendredi, le mercredi soir elle parle à sa maman au téléphone et le week-end elle est seule chez elle ou en un week-end elle boit deux bouteilles de vodka pour retourner au travail lundi. Et c'est tout, elle mange toujours la même chose, elle a une vie extrêmement... c'est même pas rangé quoi, c'est rythmé, c'est toujours sur le même rythme. Et en fait j'ai lu et je me suis dit, bon bah à différence de l'alcool, c'est quasiment la vie que j'aurais pu avoir si j'avais pas rencontré mon mari. Ce qui fait qu'après, au moment du deuxième chapitre, quand le deuxième chapitre commence, là on voit que en plus d'être seule, elle n'a aucun... elle sait pas comment interagir avec les autres. Et moi ça m'a... comme dans le premier chapitre, je me dis ça aurait pu être moi. Après ça a été compliqué. Alors il y a des moments très drôles hein, quand même, j'avoue hein, c'est quand elle décide d'acheter un ordinateur portable que le vendeur lui dit mais qu'est-ce que vous voulez en faire, et elle répond mais c'est pas vos oignons. C'est extrêmement rigolo, mais c'est aussi extrêmement triste en même temps, je trouve, et j'ai plus été sur ce côté triste. Après, troisième et quatrième chapitre, on commence à voir qu'elle a ses raisons. Enfin, peut comprendre
elle a eu des problèmes dans sa jeunesse et qui fait qu'elle manque en effet de ses social skills, et j'arrive pas à traduire skills comme ça, que voilà, elle sait pas interagir avec les gens. Elle va rencontrer au travail Raymond qui travaille le service informatique, et qui va un peu l'obliger à s'ouvrir, et on va comprendre petit à petit ce qui s'est passé pour qu'elle soit comme ça. C'était sympa, à la fin c'est sympa, mais c'est vrai que moi j'ai eu du mal à lire parfois à cause de ça, parce que tout simplement parce que le premier chapitre, je me suis dit ça aurait pu être moi, et après c'est compliqué, mais c'est une belle histoire, c'est une histoire sympa. C'est un premier roman. Il y a un truc qui au début, et je comprends pas par rapport à la fin, qui aurait entraîné des trucs qui auraient dû je fais attention parce que voilà, je veux pas vous gâcher la lecture, mais en fait je me dis tiens, et voilà, il se passe un truc, et Eleanor a une réaction, ah bah voilà, il s'est passé peut-être ça, et absolument pas du tout, mais donc ce qui fait qu'on comprend pas sa réaction à elle, voilà. Mais voilà, a priori ça devrait être mis en film, mais quand ça, c'est pas dit, peut-être qu'il est déjà, que j'y connais rien. J'ai enfin lu un dernier livre, alors lui c'était un peu par hasard. La semaine dernière, on est après un road trip dans le nord-est américain. On est allé passer 2 jours sur Saint-Louis, faire quelques dernières courses, et entre autres retourner dans un magasin un peu genre Easy Cash, donc vous pouvez acheter à bas prix des jeux de... Vous pouvez acheter à bas prix des jeux de console, des DVD, des CD et des livres. Et donc j'y suis allée, alors non, c'est là, faut pas arriver en disant je vais acheter tel ou tel livre. Je suis tombée sur un livre, j'étais obligée de l'acheter, sur les Bretons à Paris. Mais le livre est en anglais, mon mari est breton, c'est pour ça que j'ai vu ça, j'ai fait, je peux pas m'empêcher de l'acheter. Et surtout, je suis tombée sur les beignets de tomates vertes de Fanny Flagg, que Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café. Je n'ai jamais lu le livre, je n'avais jamais lu le livre, et je n'avais jamais vu le film non plus. On entend beaucoup parler de ce livre-là, puisque une suite est sortie cette année. Donc, je me suis lancée dedans. Alors, c'est le livre est sorti en 87, là c'est une édition de 88. Je ne suis même pas sûre qu'il ait été lu. Ou alors, c'était vraiment de bonne qualité, parce que voilà, il était impeccable. Après, j'ai trouvé dedans... Oh, je l'ai perdu, ne me dis pas que je l'ai perdu. Non. Le ticket de caisse de l'époque. Donc, il a été acheté le 30 novembre 1988. Et en fait, il était en plein milieu. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il ait été lu. Ou en tout cas, s'il a été lu, il n'a pas été fini. Je l'ai eu pour moins d'un dollar. Ouais. Je vais pas vous raconter... Enfin, est-ce que je vous raconte l'histoire ? Il y a une double... Il y a une double temporalité. C'est ça qui m'a posé problème. Il y a une double temporalité. On suit en 86 Evelyne, qui va dans une maison de retraite, normalement, pour visiter sa belle-mère, et puis qui se retrouve à écouter une résidente, qui va lui raconter sa vie dans les années 30-40. Et à côté de ça, bah justement, vous avez des passages de sa vie non pas racontés par... pas de sa vie, pas de la vie de la résidente, mais plutôt de la famille qui l'entourait. Avec aussi des petits extraits de la gazette de cette petite ville, qui était en fait le long de la ligne de chemin de fer.
et surtout du Whistle Stop Café, où Ruth et Edgy ont un café et il y a plein d'histoires autour. Je vais vous avouer que moi au début je me suis perdue entre les allers-retours, alors pas tant d'Evelyne et de... mais à part Evelyne qui c'est vraiment à peu près dans le droit, enfin ça va de A à Z dans un ordre assez chronologique, ce que raconte Ni. Autant les autres, parfois on avance, on revient, on... je me perdais, j'étais aussi un peu beaucoup perdue dans les prénoms, à me dire mais ça, est-ce que c'est un prénom masculin ou féminin ? Ça n'a pas grand intérêt, mais c'est pas ça qui est important. Mais parfois vous dites bon alors qui est qui, il y a des fois c'était vraiment qui est qui. À la toute fin j'ai retrouvé tout le monde, je savais où j'en étais, j'ai perdu aucun poussin, mais voilà, donc on va suivre la vie dans cette petite bourgade de l'Alabama. Avec, avec plein de choses, avec des personnages très très hauts en couleur. J'ai franchement apprécié ma lecture. Après, je vais vous avouer que je l'ai fini. Je vois pas l'intérêt du deuxième. Je sais que je lirai pas, je vois absolument pas l'intérêt de la suite parce que l'histoire se finit, se suffit en elle-même. Alors oui, peut-être qu'on suivra Evelyne et voir ce qu'elle est devenue, mais à la rigueur, moi, c'est pas Evelyne qui m'intéressait dans cette histoire. C'est plutôt tous les autres personnages. Et tous les autres personnages, on sait comment ça se finit. C'était sympa. C'est le genre de livre aussi que j'aime beaucoup, les romans historiques. Et là, ouais, j'ai vraiment pris plaisir à le lire. C'était, comment dire, c'était à la fois très rigolo et très touchant. Voilà. Et c'est le dernier livre que j'ai fini en juin. J'en ai commencé un, mais alors, pour dire que j'en commençais un, on est le 30 juin à 2h30, 3h. Je n'en lirai pas d'autres. C'est clair. Alors, au moment où je filme, donc on est le 30 juin, je viens de le dire, mais c'est pas grave, je n'ai pas encore pu mettre en ligne celui de mai. Parce que j'ai des problèmes pour mettre en ligne. Je mets, et puis YouTube, déconne quand il faut mettre la toute dernière partie, enfin bref. Donc je vais réessayer en France, je le mettrai pas tout de suite. Donc oui, je mettrai les deux en ligne. Alors pas l'un à la suite de l'autre, hein, pas le même jour, mais assez proche, en espérant pouvoir vous les mettre avant fin juillet. Et puis de toute façon, fin juillet, je vous présenterai les livres que j'aurai lus d'ici là. Là pour le coup, devrait y avoir quand même plus de français que d'anglais. Voilà. Je suis désolée, dans 48 heures on est à l'aéroport en attente du départ de l'avion. On a plein de petites merdes qui s'accumulent depuis dimanche. Je dors excessivement mal, je suis crevée et là je commence à le ressentir. Voilà, mais ça m'a fait énormément de bien de venir vous parler de ces lectures. Ça m'a fait un peu oublier tout le reste. Voilà, donc je vous laisse et on se retrouve fin juillet. D'ici là, lisez bien. Au revoir.